Mes chers amis, je vais humblement vous demander de me taguer ou de me biper. Le monsieur, l'ancien opposant, l'ancien maire, monsieur Kofi Nyam-Nyam, je voudrais m'adresser à vous. Monsieur Kofi Nyam-Nyam, je voudrais m'adresser à vous. Parce que, en aucun cas, je ne permettrai en aucun cas à aucun politicien, à qui que ce soit, de manquer du respect à un citoyen togolais, peu importe qui il est. Parce que je suis fier de mon pays. Je porte le drapeau de mon pays. Monsieur Kofi Nyam-Nyam, lors de votre intervention sur l'une des radios africaines, vous avez tenu des propos que moi personnellement et que beaucoup ici en ligne ne seront pas d'accord avec vous. Monsieur Kofi Nyam-Nyam, quand on veut être un chef d'État, quand on veut se permettre de diriger un pays, on ne dénigre pas son pays. Je vais vous faire écouter ceci, venant de monsieur Kofi Nyam-Nyam. C'est inadmissible. Vous voyez, télécharge vite là. Ça télécharge, hein. Je sais pas pourquoi ça met du temps, mais voilà. Monsieur Kofi Nyam-Nyam a été reçu le 21 avril par AfriPress. Et on lui a posé une question. Et monsieur, je vais vous lire la presse. Il dit, le 21 avril 2021, Kofi Nyam-Nyam est sévèrement critiqué sur la toile après des propos tenus dans un journal sur l'éducation en Afrique et en particulier au Togo. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le franco-togolais faisait savoir que le niveau des élèves, écoutez bien, faisait savoir que le niveau des élèves de 4e en France est meilleur que ceux de la terminale en Afrique, plus précisément au Togo. Ça, c'est du n'importe quoi. Monsieur, et toi, Tonaton Mauko, si tu ne respectes pas tes parents, si tes parents n'ont pas eu d'éducation, tu dégages ici le plus rapidement possible. Parce que je suis togolais. Ce n'est pas parce que c'est Kofi Nyam-Nyam que quand il va faire quelque chose qui n'est pas bien, je vais venir dire oui, monsieur Kofi Nyam-Nyam a raison. Si toi, Tonaton, qui parle ici, qui vient dans mon direct, d'abord même tu es bloqué. Tu es bloqué. Si toi tu penses qu'un enfant de 4e en France, collège 4e, est plus intelligent qu'un enfant qui est en train de passer son bac à l'OBE, si toi aussi tu es d'accord avec ça, c'est que toi-même tu es un individu perdu. Comment quelqu'un qui veut représenter un pays, Kofi Nyam-Nyam qui a voulu être président de la République togolaise, qui a déposé une candidature, peut tenir ce genre de propos qu'un enfant de 4e en France, ouais, je suis sérieux, tata Rodon, et toi non, je ne rigole pas. Voilà, c'est pas du mensonge. Regarde. C'est lui ça. C'est pas du mensonge. Comment Kofi Nyam-Nyam peut dire qu'un enfant de classe de 4e est plus intelligent? Parce que c'est un blanc. Et franchement, le monde est à l'envers. Mais c'est Kofi Nyam-Nyam qui dit que le niveau d'un enfant de 4e en France est plus élevé et plus particulièrement, c'est-à-dire que le niveau d'un enfant de 4e en France est meilleur que celui de la classe de terminale au Togo. Ce qui veut dire, depuis que le 4e, le collège a, le France a, et nous, à mettre le terminal, le Lomé.
Ce qui veut dire que le Togolais, lui, n'est pas intelligent. Ça, c'est Kofi Nyamiam qui dit ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui veut devenir un président, comment vous dites, quand vous tenez ce genre de proposition, ou bien ce genre de propos, comment le peuple peut vous aimer? Tu n'aimes pas ta nation, monsieur Nyamiam. Sinon, quelqu'un qui aime sa nation ne peut pas dénigrer toute une nation, toute notre éducation, tous les élèves qui sont en classe de terminale. C'est une manière de leur dire que vous n'êtes pas intelligent. Monsieur Nyamiam, je ne sais pas si tu avais mangé l'igname quand tu étais jeune, mais dans ta tête, cette proposition que vous avez tenue, c'est inadmissible. Mais je vous dis que c'est monsieur Kofi Nyamiam. Retournez aller voir l'interview. Vous allez écouter et voir. Je ne viens pas raconter de n'importe quoi ici. C'était sur Jeux d'Afrique. Monsieur Kofi Nyamiam qui a étudié au Togo, avant de venir en France ici, avant de venir faire les restes de ses études ici, et est devenu maire. Pour lui, quand un jeune blanc qui est en classe de collège de 4e est plus intelligent qu'un jeune Togolais qui est en classe de terminale. Est-ce que vous trouvez cela normal? Je ne fais pas de la politique. Vous le savez, je ne suis pas politicien. Mais quand nos politiciens déconnent, on va le dire. Parce que je suis un citoyen togolais. Et je ne permettrai pas à qui que ce soit de manquer du respect à notre éducation. Ce genre de propos, ce manque de respect à l'éducation nationale, ce manque de respect à tous ces élèves togolais en classe de terminale, c'est une façon de dire que nous les Noirs, on n'est pas intelligents. C'est ce que M. Nyamiam voulait nous dire indirectement. Vous savez, par exemple, Monsieur Ngozi Ezounou, vous me posez la question et vous me demandez, vous avez demandé pourquoi il a dit ça. Et c'est dans quel contexte? Je pense que tu n'étais pas là. Je vais bien te le relire. Je vais bien te le relire. Je vais te relire du tout, du début jusqu'à la fin. Kofi Nyamiam est sévèrement critiqué sur la toile après les propos tenus dans un journal sur le niveau de l'éducation en Afrique. Parce qu'on a posé une question sur le niveau de l'éducation en Afrique. Et sa réponse à ça, il dit, et dans une interview accordée à Jeune Afrique, le franco-togolais faisait savoir que le niveau des élèves de 4e en France est meilleur que ceux de la terminale en Afrique, plus particulièrement au Togo. En effet, la question posée à l'homme politique était, à votre avis, un jeune bachelier africain arrivant aujourd'hui en France pour faire des études comme vous l'avez fait dans les années 1964, aurait-il plus de facilité que vous? Ou plus de difficulté que vous? Ou au contraire? Et dans sa réponse, l'ancien candidat recalé de l'élection présidentielle 2010 au Togo n'a pas trouvé mieux que de plaindre en noir le système d'éducation togolais s'il vient du Togo. Je pense malheureusement que cela serait difficile parce que la terminale là-bas aujourd'hui a le niveau de la classe de 4e en France. Voilà. Je pense que tu es content. Tu as compris. Donc pour Kofi Nyamiam, aujourd'hui, le niveau des élèves de la classe de 4e est comparable, presque, à un niveau de la classe de terminale en Afrique. C'est-à-dire, mon fils qui a 16 ans, qui est en classe de 4e en France, est plus intelligent que mes cousins qui sont en classe de terminale en train de préparer leur bac au Togo. C'est ce qu'il veut me dire. Mais je tiens à vous dire, l'éducation ici en Europe, c'est de la merde. Tous les enfants aujourd'hui ici, tout ce qu'ils savent, quand tu demandes à faire un calcul mental avec mon enfant à la maison, il doit aller chercher son calculatrice. Quand tu demandes à un enfant ici en France,
de te faire une table de multiplication, il a besoin de la calculatrice. Même les blancs aujourd'hui se plaignent de l'éducation française. Parce que les enfants, tout est aujourd'hui sur l'ordinateur, téléphone. Quand on les donne des exercices à la maison, on lui donne un devoir, il va sur Google, il prend tout la réponse, il recopie, copie-coller, il l'amène à l'école. Je vais boire un peu d'eau. Pardon. Monsieur Kofi Nyam-Nyam, je ne suis pas d'accord avec vos propos. L'éducation aujourd'hui au Togo n'est pas foutue. Ne mélangeons pas la politique avec toutes les choses. Non, 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 non. L'éducation aujourd'hui au Togo n'est pas du tout foutue. Parce que moi, quand je vois, ou bien quand je vois certains enfants qui arrivent, qui viennent de l'Afrique, et on les met en classe ici. D'habitude, quand nos enfants viennent ici, les blancs ont un système. Si le petit est en classe de 3e, au lieu de reprendre la classe de 3e, ils le remettent en classe de 4e. Ils le diminuent toujours d'une classe. Ça ne veut pas dire que nos enfants ou bien notre éducation est foutue. C'est faux. La seule chose dans laquelle les blancs ont dépassé, ou bien les Européens nous ont dépassé dans l'éducation, ou bien dans notre système scolaire, je peux dire que c'est dans le domaine de la technologie. Là, je peux dire que l'Afrique est encore en arrière dans le domaine de la technologie. Mais si on veut parler de la mathématique, de la science, il y a beaucoup de choses que nous apprenons à l'école, que même le petit blanc ici ne connaît pas. Quand tu prends peut-être un jeune collégien, tu lui demandes de te dessiner la carte. Il y a même des enfants ici, quand tu lui demandes de te dessiner la carte de la France, ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de jeunes ici, quand tu lui demandes quelle est la capitale de la France, ils te diront même qu'ils ne connaissent pas. Je te jure, je sais de quoi je vous parle. Il y a plein de jeunes français qui ne connaissent pas la capitale de la France. Il y a plein de jeunes français qui ne connaissent pas la superficie de la France, qui ne connaissent pas les rivières, les fleuves. En France, ici, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais en Afrique, il y a beaucoup qui l'ont appris à l'école. On connaît l'Europe, on connaît... C'est-à-dire, quand tu demandes à un jeune français aujourd'hui, il y a beaucoup. Tu prends sur 10 jeunes tout à l'heure dans la rue, tu leur poses la question, quels sont les pays de l'Union Européenne? Il ne te dirait pas. Il ne connaît pas. Quand tu lui dis, c'est quoi le Schengen? Il ne connaît pas. C'est vrai, sur le plan de la technologie, nous sommes encore en retard. Mais Kofi Nyam-Nyam ne devait pas dire qu'un élève de la classe de 4e a un niveau plus élevé ou bien est comparable à un niveau de la classe de terminale à Lomé. Pour moi, c'est un manque de respect envers notre jeune population. C'est un manque de respect envers mes frères qui sont en train de se débrouiller. C'est un manque de respect envers notre système d'éducation, Monsieur Nyam-Nyam. Parce que c'est le même étude que vous avez fait pour venir devenir maire en France. C'est les mêmes études là que nos frères aussi sont en train de faire en Afrique. Même étude que M. Nyam-Nyam avait fait dans les années 1964 pour être en France ici, en temps et devenir étudiant, jusqu'à devenir maire. C'est toujours la même étude là. Voilà. Monsieur Nyam-Nyam, ceci n'est pas un manque de respect. Ceci n'est pas de la politique. Mais je tenais à vous dire que vous avez tenu des propos qui ne sont pas bons. Je ne suis pas d'accord avec votre proposition sur ce plan. Aller à l'école en Afrique, ce n'est pas facile. Donc si nos jeunes aujourd'hui qui se battent sans manger, sans avoir toutes les dispositions pour étudier, sans avoir des livres, mais malgré tout ça, ils se battent pour avoir leur bac. Et vous venez tenir des propos comme ça, monsieur Kofi Nyam-Nyam, c'est irresponsable de votre part. Les jeunes Togolais se battent à apprendre, à étudier, sans lumière, sans manger, sans avoir, c'est-à-dire, ce qu'il va manger même avant d'aller à l'école.
ce qu'il va manger quand il rentre de l'école. Monsieur le maire, monsieur Kofi Nyam Nyam, je pense que vous ne connaissez pas les difficultés dans lesquelles nos frères vont à l'école. Vous ne connaissez pas les difficultés dans lesquelles nos frères, nos soeurs qui étudient sans banc, sans classe, il pleut, ils sautent dedans. Il y a deux enfants qui sont assis par terre. Et dis les gars, et si les poneyons le trouvent, mais voler, on les plaît à nous. De classe de terminale. Et vous venez comparer ces enfants avec ces enfants ici. Enfants, et venez les vieux, n'ont bien un camion, les spoules, que rien de bon. Il y a des gens qui ont des spoules. Fia, des vieux, on les spoules. Je vous dis la vérité. Hein. En Occident, ici en France, c'est rare de voir que des gens, quand te disent que cet enfant a échoué, c'est rare. Peut-être dans des classes d'examen. Vous allez trouver la solution. Donc, quand vous allez aider. Les vieux, vous allez les vieux. Monsieur Kofi Nyam Nyam, je ne suis pas d'accord avec vos propositions, ce que vous avez dit. Sur ce, je passe à autre chose.